Maintenant, comme je vous le mentionnais, avant la pause, il y a eu un déversement de pétrole dans la région de Québec, à la raffinerie sur la rive sud. Et ça a fait sortir des gonds certains leaders de Premières Nations, dont la nation Huron, Wendat. On a le grand chef au bout du fil, Conrad Sioui, qu'on a eu par le passé. Et évidemment, j'ai pris connaissance du communiqué de presse. Vous avez vu aussi l'article à l'écran concernant le déversement. C'était rapporté par Radio-Canada. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour. Coucou, Monsieur Gendron. Bonjour, oui, Bonne année merci. aussi. Bonne année à vous aussi. Juste avant qu'on parle de ce qui est arrivé, j'imagine que ça va bien, nos affaires, politiquement parlant. Là. On est dans un bon feeling, vous trouvez pas? Oui, en tout cas, il y a des promesses. Oui. La commission sur les femmes disparues est mise en place. Oui, ça va bien, il faut s'encourager. Oui, C'est vraiment, je suis un vent content. nouveau, c'est un jeune leader, puis il a pris en charge. La responsabilité des peuples autochtones, puis c'est bien. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'on va être déçu à un moment donné. On ne peut pas tout espérer, tout prévoir. Ça peut pas être. C'est comme dans un couple, hein? Mais bon, on va en profiter le temps que ça passe. Bien, l'important, c'est qu'il ait compris mieux que n'importe qui, en tout cas, j'ose dire mieux que le gouvernement conservateur, Oui. qu'il a une responsabilité fiduciaire à l'endroit des Premières Nations. C'est dans la Constitution canadienne. Oui. C'est 91-24, et il a décidé d'assumer cette responsabilité-là. Alors, on va peut-être se faire moins transférer ou jouer au ping-pong avec les responsabilités ou les juridictions provinciales et fédérales. Puis ça, c'est déjà un gros point pour nous autres. Oui, donc là, vous allez nous expliquer, là, voici un cas concret, il y a un déversement de substances pétrolières dans votre communauté, dans votre région, dans vos terres revendiquées, là. J'imagine que c'est pour ça que vous sortez publiquement. Puis, il y a des mécanismes qui n'ont pas été respectés, j'imagine. Alors, regardez, l'environnement, là, c'est d'abord et avant tout une question autochtone. Oui. Ce ne sont pas des terres revendiquées, ce sont des terres qui ont été reconnues comme étant faisant partie de De notre votre territoire. territoire national par OK. traité, donc un traité avec la couronne britannique. Alors, ces compagnies-là qui arrivent ici, qui décident de faire du développement, puis qui font des gâchis environnementaux, on ne peut pas laisser faire ça. Puis on ne peut pas s'en mettre non plus à des municipalités ou à d'autres types de juridictions. On se prend en charge, on affirme nos droits, c'est la Constitution qui l'exige et ces gens-là ont le devoir, d'après ce que la Cour suprême a dit, d'aller chercher notre consentement pour ces types d'entreprises-là. Mais ce statement-là que vous faites par communiqué de presse, j'imagine que c'est un geste aussi qui... Je veux dire, vous rouvrez le chemin, là. Moi, comme blanc, je n'étais pas habitué à voir ça, tant mieux. Mais il va falloir nous enseigner comment ça marche, là. Exactement. D'abord, la coexistence. Ici à Québec, on a toujours travaillé en collaboration avec. C'est pour nous autres, dans la pensée Huron-Wendat, les gens qui vivent sur le territoire, c'est des Huron-Wendat, Oui. avec lesquels on partage l'environnement, on partage la culture, on partage certaines valeurs et on partage l'économie aussi. Alors, si on est touché, les Québécois ici dans la région vont être touchés. Alors, on a un rôle, je dirais peut-être, de leader, de leadership à ce niveau-là. Et d'assumer ce rôle-là, ben, dans le grand conseil du Huron-Wendat, de notre territoire, ben, ces municipalités-là, ces groupes-là, ces gens-là, ces institutions-là viennent, sous notre parapluie, s'assurer que le territoire va être protégé. Et on a tellement fait de travail partout, surtout au niveau des cours de justice et de la Cour suprême, on s'est créé une si grande jurisprudence aujourd'hui que ces gouvernements-là ne peuvent pas tasser les Premières Nations, et surtout pas la nation Huron-Wendat ici à Québec, quand c'est des questions environnementales qui nous touchent, ou même des questions plus larges, le développement économique, la forestation ou quoi que ce soit. Oui, et même les redevances, là, nous, au niveau municipal, dans le temps, là, quand j'étais là, on se battait. Bon, ils viennent s'établir chez nous, ils vident nos ressources, puis ils repartent après, puis ils Oui. se sont servis de nos ressources humaines. On veut des redevances. Mais à quoi ça se n'est, par exemple, qui touche notre territoire, puis on est probablement sur le territoire traditionnel d'Akwasasné, mais il n'y a Oui. jamais un gouvernement qui nous a dit, hey, by the way, justement, il faut que vous leur parliez. C'est comme si on n'avait jamais été habitué à ça. Ben, c'est les deux fondateurs, les Anglais et les Français, les deux ordres de gouvernement. C'est l'absence d'avoir réussi des changements constitutionnels. C'est encore le fait que les Premières Nations ont des droits, mais
à définir. Puis bon, on joue sur ça. Puis on, au bout de la ligne, on finit toujours en cours avec oui. ces questions-là. Alors là, je pense qu'on est rendu à une étape où on dit non, on s'affirme. On a suffisamment de jurisprudence. Si ça fait pas, on va faire un regroupement puis on va aller à la Cour. La Cour fédérale nous a donné raison dans bien des domaines. Le consentement, il est exigé aujourd'hui par les entreprises, par les gouvernements, quels qu'ils soient, pour non seulement consulter, mais aller chercher non seulement l'opinion, mais le consentement explicite des Premières Nations quand le territoire est touché. Mais dites-moi donc, avez-vous eu des réactions depuis la sortie du communiqué de presse des personnes là, qui sont directement interpellées? On en a eu, regardez, tout à l'heure, on sort d'une rencontre avec les représentants du Port de Québec. Le Port de Québec voulait nous rencontrer pour avoir notre point de vue, à savoir qu'est-ce qui va se produire si on veut agrandir le port, doubler, tripler sa superficie. C'est un gros projet ici à Québec. Mais ils ont dit êtes-vous déjà venu ici? On n'est jamais venu ici, tu sais. On a tout à construire. Les Premières Nations ont toujours été laissées pour compte. Puis là, oui. Je veux pas nous mettre dans un esprit de misérabilisme et de victimisation. Mais il faut faire notre place. Puis des fois, il faut bousculer les choses. Et c'est ce qu'on fait. Alors, on n'attend rien de personne. On le fait nous autres-mêmes. Puis on a un agenda très, très, très sérieux et très lourd aussi. Bien, ça me fait penser un peu votre démarche au chef... qui avait fait une sortie publique dans le dossier du déversement des eaux usées de Montréal. Il disait, mais le lac Saint-Pierre, près de Trois-Rivières-Bécancour, c'est notre territoire traditionnel de pêche, en passant, by the way. Absolument. On reconnaît ça aux Abénakis dans leur coin là-bas. Oui, oui. Et les Mohawks aussi ont fait une sortie publique, je me souviens très bien. Oui, c'est vrai aussi. Et de notre côté aussi, sans que ça nous touche aussi directement qu'eux autres, on est tous impactés parce que quand on souille le fleuve, c'est notre territoire, c'est notre boulevard, le boulevard des Hurons-Wendat depuis toujours. Le Grand Lac Huron, Grand Lac Ontario, Grand Lac Érié et le boulevard qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent où on amène nos vivres, on amène nos échanges, farine, tabac, maïs, etc. Donc, on a passé des milliers d'années sur le fleuve et on est tous impactés par ça. Oui, oui, oui. On a même créé une confédération des sept feux qui implique les nations qui vivent le long du fleuve, des deux côtés. Oui, oui. Je regardais justement, on va se laisser là-dessus, mais vous apportez un point, les grands lacs, entre autres, c'est rendu une poubelle. Vous savez, tous les produits cosmétiques de petites billes, là, c'est en train de faire une catastrophe environnementale. Puis, à tous les jours, moi, je passe sur l'île de Cornwall, on voit le pont international, t'as une réserve, une communauté amérindienne qui est assise là, à côté d'Alcoa, Alcoa qui a scrappé la région au complet. Ah oui, mais on va aller voir la municipalité de Cornwall, on va aller voir les institutions, on va aller voir n'importe qui n'est pas autochtone ou qui appartient pas aux Premières Nations, et on va tenter de faire des négociations on the side avec eux autres, en excluant la voix des Premières Nations, mais ça, c'est terminé. Ben tant mieux, bravo. On prend notre place, et plus on prend notre place, plus on protège les intérêts de tout le monde. Oui, à long terme, oui. Ben bravo, merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps. Merci, c'est un plaisir. Meilleurs vœux, au revoir. Bon, c'est le grand chef Conrad Sioui. C'est parce que je pensais à ça l'autre jour. C'est vrai parce que dans la région où je suis, donc le secteur là, du nord de l'État de New York, Cornwall, le sud-ouest du Québec, vous savez qu'Alcoa a pollué de façon incroyable, même la nappe phréatique, les cours d'eau, ça a laissé des séquelles graves, là. Bien évidemment, c'était l'industrialisation, c'était une époque où on ne demandait pas de permission à grand monde. Même dans la ville d'Huntingdon, où j'ai été maire, pendant longtemps, le textile a pollué la rivière Châteauguay, les cours d'eau, le sous-sol, ça se ramassait dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, mais cette époque-là est peut-être révolue. En tout cas, est en train de le devenir révolue.